Alors, bonjour à tous et bienvenue encore une fois de plus sur notre chaîne Alchimie d'éveil et sur le blog Alchimie du cru. Donc aujourd'hui avec Abel, pour vous présenter une salade du soir. Donc cette salade que je vais vous présenter fait suite à, on va dire, une série de fruits mangés dans la journée. Là, c'est vraiment pour finir la soirée, enfin la journée, tranquillement, voilà, sans se forcer. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses, mais c'est très simple en fait. Voilà, donc il faut savoir que quand on mange une salade comme ça le soir, enfin en ce qui me concerne, j'ai d'abord mangé plein de fruits dans la journée. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de fruits. Je ne vais pas vous donner des quantités parce que des fois je ne m'en rends même plus compte. Mais c'est ça la base de l'alimentation vivante, ce sont les fruits. Donc mangez d'abord des fruits, plein de fruits, et puis après, bien sûr, vous pouvez vous faire une salade. Donc, alors, pour cette salade, qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? Eh bien, nous avons la salade du pêcheur, donc ce sont des algues, c'est un mélange d'algues. D'accord, voilà, que vous pouvez commander sur le net. Donc nous avons ici des tomates séchées, bio bien sûr, voilà, préalablement trempées parce que c'est des tomates séchées. Nous avons ici du cresson, voilà, que vous trouvez au magasin bio. Là nous avons des radis du marché, j'ai donc coupé quelques radis et j'ai gardé quelques feuilles parce que les radis étaient assez frais, donc j'ai gardé quelques feuilles, je vais les mettre dans la salade. Donc on a ici du pissenlit sauvage, bien sûr, sauvage, c'est du pissenlit, hein, voilà, que vous trouvez dans la forêt. On a du persil, voilà, quelques tomates fraîches, un avocat, un concombre, oula, voilà, un concombre, la moitié d'un concombre, un citron, poivron, quelques épices en fait pour, on va dire, ajouter dans la salade. Des grains de jarvie, bien sûr, alfalfa, et ici, au fond donc du saladier, de la mâche. Voilà. Donc, on va commencer notre préparation. Allons-y. L'idéal, ce serait de la laisser reposer 10 minutes, un quart d'heure, pour que vraiment les saveurs se mélangent, pour que les algues aussi puissent vraiment s'humidifier pleinement. Vous pouvez rajouter du gingembre, vous pouvez rajouter des olives, pardon. Vous pouvez mettre des oignons nouveaux, vous pouvez mettre de la nette, plein de choses dedans. Donc amusez-vous à la maison et surtout, n'hésitez pas.
pas vraiment à aller chercher des orties même dehors pour mettre dans votre salade ou du pissenlit parce que c'est vraiment ça la base de cette salade. Voilà. Donc, merci encore une fois de plus d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que vous allez vous régaler comme moi. Voilà. À très bientôt sur notre chaîne. Au revoir.